Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, que Dieu vous bénisse, bonne arrivée. Connectons-nous massivement. On va aborder quelques sujets un peu compliqués ce matin. Just allow me to pick my phone here. On va aborder quelques sujets compliqués. Et par la grâce du Seigneur Jésus, je souhaiterais répondre à vos questions ce matin. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde m'écoute? Bonjour à Pascal. Bonjour à Landry. Bonjour à Laetitia Hilde. Extraordinaire. Bonjour à mon fils Aristide Nidjoral. Nodjoral. Merci, bonne arrivée. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde me suit? Voilà. Nous allons prendre. Nous allons prendre. Quelques questions aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours dans la thématique d'hier. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est clair? Bonjour à Sylvie, bonjour à Christiane, Donardin. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Merci. Connectons-nous donc massivement et partageons la vidéo. Prends le temps pour partager la vidéo. Partage-la autour de toi, s'il te plaît. Merci pour ceux qui se soucient pour moi. Il y en a qui m'ont dit hier, je crois que c'est hier qu'on a fait la première émission. Si oui. Il y en a qui m'ont dit, non papa, vraiment votre mine était pâle. Alors ma mine ce matin, c'est comment? Hier, je venais juste, je rentrais de Bertois. Je me suis arrêté juste à Yaoundé. Après, j'ai encore pris le volant pour arriver à Douala. Je n'ai pas eu le temps. Bonjour papa, juste besoin de savoir si c'est... Non, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai les numéros WhatsApp avec lesquels je discute avec les gens. Donc sur Messenger, je ne suis pas trop sur Messenger. C'est vrai que j'ai un Messenger où il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Mais écrivez-moi sur mon WhatsApp, le WhatsApp. Les bien-aimés vont afficher mon WhatsApp tout à l'heure, vous allez voir. Hein? Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est personnel. Sur Messenger, ce n'est pas moi qui vous ai écrit. Hein? Écrivez sur WhatsApp. Voilà, je redonne mon WhatsApp pour ceux qui ne l'ont pas. 672 plus 237, 672 1303 23. Ça, c'est mon WhatsApp. Plus 237, 672 1303 23. Donc, et il y a un deuxième WhatsApp qui est opérationnel. C'est le 692. Oh. Voilà. Jérémie Mounra Idrei. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Plus 237, 692. 40, 71, 86. Donc, vous pouvez noter ça en commentaire pour ceux qui sont retardataires. Merci. Donc, plus 237, 692, 40, 71, 86. Donc, toute personne qui vous contacte, toute personne qui vous contacte sur Messenger ou sur Facebook, c'est pas moi. Le miracle qui accompagne ces personnes, c'est qu'elles vous demanderont toujours de l'argent ou des contributions. Il y a des gens qui demandent sur Facebook des contributions pour la construction de la chapelle de Bertois. Je n'ai jamais demandé ça sur Facebook. Jamais. Donc, il y a des personnes qui ont de faux profils. Il y a tellement de faux profils.
Donc, votre sécurité se trouve ici. Votre sécurité se trouve ici, s'il vous plaît. Il y a mes WhatsApp. Vous avez deux WhatsApp. J'ai ajouté un deuxième ce matin. Voilà. On a le plus 237 672 13 03 23. Et on a le 692 40 71 86. Voilà. Et ces deux numéros servent aussi pour ceux qui veulent faire des semences. Pour l'œuvre de Dieu, c'est ici qu'il faut le faire. Donc, le numéro MTN, c'est pour les transferts, Momo, pour vos offrandes, vos semences. Et Orange, c'est pour Orange Money. Que Dieu te bénisse, comme tu obéis. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, voilà, j'ai un messenger. J'ai dit que j'ai un messenger. Mais il y a tellement de fausses pages à mon nom que moi-même, parfois, je me retrouve dans une page, je regarde, je dis que non, ça, c'est pas ma page ici, je ressors. Pour montrer combien, de plus en plus, les gens sophistiquent leurs pages, les fausses pages. Donc, vous avez mes deux numéros WhatsApp. C'est plus sécurisé de causer sur WhatsApp que de causer sur Messenger. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment extraordinaire. Merci pour la vie d'être le mouvement que tu nous donnes. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom et manifeste-toi. Quand nous sommes rassemblés, tu es au milieu de nous. Père, je prie qu'une grande grâce repose sur chacun de nous ce matin. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Maintenant, joignons-nous dans la prière. Demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit pour comprendre les Écritures. Parce que ce matin, je veux parler des choses un peu techniques, spirituellement techniques. Donc, il faudra une sorte de maîtrise de la technicité. Bon, c'est ça, on apprend le français. Donc voilà, nous allons parler des choses un peu techniques, spirituellement parlant ce matin. Alors, joignons-nous dans la prière, demandons à Dieu de nous ouvrir l'esprit afin de comprendre les Saintes Écritures et que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout, qu'il prenne les rênes et qu'il nous dirige. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous ouvres l'esprit pour comprendre les Saintes Écritures ce matin. Seigneur, pendant que nous parlerons de ces choses techniques, donne-nous de maîtriser, Seigneur, leur technicité. Seigneur, merci parce que tu es souverain. Comme tu l'as fait pour les deux disciples sur la route d'Emmaüs, fais-le aussi pour nous. À toi la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Merci, elle est radieuse, votre mine. Merci, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, le professeur français est en train d'écrire technicité. Merci beaucoup. Waouh, ça, c'est bien. Vous voyez, c'est important d'avoir des académiciens dans cette église-ci. C'est très, très important. Oh. Quand ça ne va pas là, on fait appel à eux. Ce sont nos sapeurs-pompiers linguistiques. Que Dieu les bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors là, maintenant, je veux commencer ce matin par une question. Et chacun va donner une réponse en commentaire. Soyez actifs. Sois pas passif, sois actif. Vous avez entendu dire que lorsque un chrétien parle en langue, le diable n'entend pas de parler en langue. Qui a déjà suivi ça? Lorsque les chrétiens, les enfants de Dieu parlent en langue, le diable ne comprend pas ce qu'ils disent. Alors maintenant, quelle est votre réponse? Vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Lorsque nous parlons en langue, est-ce que le diable comprend ce que nous disons? Il y a beaucoup de personnes, il y a cette culture, cette tradition orale dans l'église aujourd'hui qui dit que lorsque nous parlons en langue, le diable n'entend pas. Et parfois, des très grands prédicateurs et chevronnés le disent, même sur Facebook, sur YouTube, partout. C'est un enseignement qui est très répandu dans l'église. Alors maintenant, je vous pose une question simple. Lorsqu'un enfant de Dieu parle en langue, est-ce que le diable comprend ce qu'il est en train de dire en langue? Donnez les réponses. J'attends les réponses. Que chacun donne sa réponse. Bonjour à Laurent Sacha Rebou. J'aime beaucoup le prénom là. Rebou, c'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Mais qui ça avec ça nous? D'accord, les réponses s'il vous plaît. Je vais lire les réponses en commentaire. Donc quand nous parlons en langue, est-ce que le diable comprend
ce que nous disons. Ou quand tu parles en langue là, est-ce que le diable comprend ce que tu dis? Bibliquement parlant, parce qu'ils sont en train de parler du ministère prophétique. Je vois Annie Ren, le diable entend parfaitement, papa lui-même est un ancien habitant du ciel. Voilà, ça c'est une réponse. Non, dites-nous, quand vous écrivez moi j'ai déjà entendu papa. Non, je demande, est-ce que le diable entend? Ok, François a répondu faux, donc il n'entend pas. Ok. Qui encore? Flora Lobé, c'est vrai, le diable entend. Le diable n'entend pas. Voilà. Luc, l'évangile selon alors leur ouvrir l'intelligence, ça veut compris l'écriture. Non, ce n'est pas la réponse ici. J'ai déjà écouté ces propos quelque part, mais en réalité, quand nous parlons en langue, le diable entend. Ok. Là, c'était qui? Là, c'était Ebenezer ou Tondi. D'accord. Dadi, moi, je crois qu'il ne comprend pas. Quoique si le parler en langue est la langue originelle des anges. Alors, d'accord, là, c'est le prophète Esaïe. Et la langue originelle des anges. Alors, il doit le comprendre, vu qu'il était également un ange principal près de Dieu. Ok. Monique Bikoko, oui, papa, il comprend. Parce que lui-même fut un ange de Dieu. L'ange de lumière, ok. Il y a qui encore? Faveur de Dieu. Il comprend parce qu'il était d'abord ange avant d'être diable. Ok. Le diable ne comprend pas, papa. Là, c'est Clover. La métisse. Oh, ouais, il y a même les métisses ici. Donc, on a Christelle Fosso qui dit, c'est vrai, papa, lorsque nous parlons en langue, il comprend. Valérie Mbaye, je pense que le diable entend parfaitement de parler en langue. Ok. Lucha Luran, vu qu'il était un ange aussi, et que le parler en langue est une langue angélique, le diable comprend. Noé de Jésus, il comprend bien même. Voilà, le diable entend, mais il se croit rebelle. D'accord. Shalom, 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 Père de Dieu. Ok, d'accord. Le diable est toujours présent, François Pondi. D'accord, merci. Merci. Le diable n'entend pas, homme de Dieu. Là, c'est Marie-Florence Calotte. D'accord. Peut-être leur dit oui. Il ne comprend pas. Là, c'est Nestor Bessala qui le dit. Qui le dit donc. Ok, d'accord. Bon, Carole Messina. Oui, oui, homme de Dieu, il comprend. Flore Abega. Bonjour, Daddy. Moi, je pense qu'il ne comprend pas. D'accord, c'est bien. Vous voyez, quand vous êtes actif comme ça, c'est très bien. C'est la maturité. Voilà pourquoi j'ai dit on va parler des choses techniques. On parle du ministère prophétique. Et lorsqu'on veut vraiment parler du ministère prophétique, il y a des réalités techniques qu'il faut toucher. Parce que le ministère prophétique, il a des ramifications. Et quand on veut vraiment en parler, pour aider les gens à comprendre ce que c'est qu'un prophète, il est important d'aller jusqu'aux ramifications et de toucher ces ramifications-là. D'accord. Maintenant, à cause du temps, on va pas lire. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, la Bible parle de la Pentecôte. Vous voyez, la Bible parle de la Pentecôte dans le chapitre 2, la Pentecôte. Alors là, les frères, les 120 sont dans la chambre haute et ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Vous pouvez lire tout le chapitre. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis, ce sont des Juifs. Mais ce jour-là, en Israël, il y a la Pentecôte. Vous voyez, la fête de la récolte. Les gens étaient venus de partout et les judaïsants d'autres nations étaient à Jérusalem. Et donc, eux, quand les apôtres seront en train de parler en langue, ils vont comprendre ce que les apôtres disent. Et ils seront dans l'étonnement. Les Arabes vont dire, mais l'homme s'il ne parlait pas arabe, il n'a pas étudié l'arabe. Comment il parle arabe? Comment il parle crétois? Hein? Comment il parle telle langue? Comment il parle telle langue? Il dit, oh, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? De la première information, c'est que les apôtres parlaient en langue et ils parlaient des langues des hommes. C'est-à-dire, les langues qui ont été entendues étaient des langues des hommes, les langues maternelles des judaïsants et des prosélytes qui étaient là. Verset 9, on cite quelques-unes des langues que les apôtres ont parlé le jour où ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit.
Part, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Voilà. Donc, vous allez remarquer que ici, le jour où les apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit, les gens comprenaient tout ce qu'ils disaient. Les gens comprenaient tout ce qu'ils disaient. Les gens suivaient. Et les gens pouvaient localiser la langue dans les langues dans lesquelles ils parlaient. Vous voyez. Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose. Ces personnes qui étaient là-bas ont entendu les apôtres parler et ils ont compris. Ils comprenaient clairement ce que les apôtres disaient. Ils comprenaient ça. Eux, ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils n'étaient pas remplis dans l'Esprit. Mais ils comprenaient et pouvaient te dire que l'apôtre là, l'apôtre Jean qui parle en langue là, il dit ceci. L'apôtre Pierre là, voici ce que lui est en train de dire. Quelqu'un d'autre allait dire Barthélemy, voilà ce que Barthélemy est en train de dire. L'autre dirait que non, l'apôtre tel, voilà ce qu'il est en train de dire. Vous voyez? Donc, les gens comprenaient. Ce n'était pas un mystère. Ce n'était pas un mystère pourquoi. Je parle de ça pour revenir sur le ministère prophétique. Parce que si vous ne comprenez pas les dons de l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre le ministère prophétique. Ce n'est pas possible. Donc, les gens les entendaient parler. Et pourquoi ces gens les entendaient parler? Ils les entendaient parler parce que les apôtres parlaient leur langue maternelle, c'est la langue des hommes. On ne dit pas ce que tout le monde parlait, mais ce qu'on a cité, c'est ce que les gens ont entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si je parle en langue, moi par exemple qui suis du Nord, je peux parler le fon, c'est un exemple, je peux parler le fon. Parce que le parler en langue, c'est une langue que tu n'as pas apprise. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit te donne la capacité de parler, d'adorer, de louer Dieu dans cette langue-là. Là, c'est le parler en langue. Toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne sais pas dans quelle langue tu parles. Les apôtres, eux, ne pouvaient jamais savoir les noms des langues qu'ils parlaient. Mais ceux qui étaient là, ce sont eux qui disent aux apôtres que toi, j'ai entendu parler arabe. Et l'apôtre va dire, ah donc c'était l'arabe. Hein? Il dit à l'autre là, toi c'est le chinois que tu parlais. Parce que moi je suis chinois, j'ai entendu, tu parlais la langue, ma langue maternelle. Vous voyez. Donc si je parle en langue et que je parle le fon, s'il y a un fon dans la salle, il écoutera naturellement ce que je dis parce que je le dis dans sa langue maternelle. Mais celui qui est là-dedans, qui n'est pas fon, et moi-même qui parle en langue et qui ne suis pas fon, je ne comprendrai pas ce qui est en train d'être dit. Ce que j'ai dit moi-même, je ne comprendrai pas. Comment faire donc pour parvenir à comprendre les langues de l'esprit? Comment faire? Il faudrait avoir ce qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Or, maintenant, ce qu'il faut savoir avant d'arriver au don d'interprétation des langues, parce que je veux que tu comprennes comment ça marche. Avant d'y arriver, il faut comprendre simplement que si vous parlez la langue des hommes, dans le jardin d'Éden, le diable cause avec la femme. Ce n'était pas la langue des cieux, c'était la langue des hommes. Donc le diable parle la langue des hommes, toutes les langues des hommes, le diable parle dedans. Allez chez les Chinois, les démons parlent chinois. Allez chez les nordistes, les démons, quand vous délivrez quelqu'un au nord, le démon parle foufoudé, mivurtata, mivurtata, je ne sors pas. Mivurtata, oh, miwudji bangalmako. J'ai volé sa santé. J'ai volé son mariage. J'ai volé dans ton patois, dans ton village. Si on commence à la délivrance, tu vas te rendre compte que les démons parlent béti. Les démons parlent iwondo. Les démons parlent anglais. Au Nigeria, quand on dit out, they out, I won't go out, I won't go out. Les démons, ils parlent, ils sont polyglottes. Donc les démons, le diable parle la langue des hommes. Donc ne sois pas étonné que le démon te parle le bêtis, toi-même tu ne comprends pas. Il utilise même, il utilise même la grammologie en bêtis que toi-même tu dis encore que, aïe aïe aïe, ça c'est encore quel genre de bêtis comme ça. Que tu ailles toi-même chercher encore le dictionnaire pour mieux maîtriser ta langue maternelle, pour comprendre ce que le démon voulait te dire.
Donc, le diable dans le jardin d'Éden parle la langue des hommes avec Ève. Il discute avec Ève. Donc, c'est la langue des hommes. Il maîtrise. Dans toutes les cultures, quand vous apportez la délivrance, les démons parlent les langues de ces cultures. C'est la preuve que le diable comprend quand nous parlons en langue. Maintenant, il y a deux types de parler en langue. L'apôtre Paul parle de deux types de parler en langue. Quand vous lisez, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'apôtre Paul ici nous montre la binarité. Il nous montre la bicaméralité. Sur le plan linguistique, en rapport avec la glossolalie. La glossolalie, c'est la partie de la théologie qui étudie le parler en langue. L'apôtre Paul nous montre que le parler en langue est bicaméral. C'est-à-dire qu'il y a deux chambres, ou si vous voulez, il y a deux branches. On peut parler en langue utilisant la langue des hommes. Ou on peut parler en langue, mais on parle la langue des anges, c'est-à-dire la langue du ciel. Donc lorsque tu parles en langue, toi-même tu ne sais pas si tu parles une langue des hommes ou si c'est la langue du ciel que tu parles. Mais il y a des gens qui parlent la langue des hommes, il y en a qui parlent la langue du ciel. Dans le cas des apôtres ici, ils parlaient la langue des hommes. C'est-à-dire on a cité, les gens ont perçu la langue maternelle. Maintenant, que ce soit la langue des hommes, le diable comprend la langue des hommes et il parle la langue des hommes. Dans toutes les langues, comme j'ai dit, dans toutes les cultures, les démons parlent les langues. Ça montre tout simplement que le diable parle la langue des hommes et bibliquement, dans le jardin d'Éden, il parle. Vous voyez. Et plusieurs fois, le diable va rencontrer plusieurs personnes dans la Bible avec qui il va parler. C'est la langue des hommes qu'il utilise. Maintenant, lorsqu'il était au ciel, il parlait la langue des anges. Donc il maîtrise la langue, c'est sa langue maternelle là-bas, c'est même dedans qu'on l'a accouché. Les langues des anges qui sont émissaires pour toi et pour moi, qu'aucun homme ne peut comprendre, lui c'est là-bas qu'il vient, c'est même dedans qu'il est né. Vous voyez? C'est pour cela que dans le livre de Job, la Bible dit que les fils de Dieu étaient rassemblés au ciel et Satan était au milieu d'eux. Et Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Et il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Il parlait quelle langue? Ce n'était pas le français ou l'anglais. Non, il parlait la langue des anges ou bien la langue du ciel. Donc, la réponse c'est que quand vous parlez en langue, le diable est bien au courant de ce que vous dites. Parce que si vous parlez la langue des hommes, il maîtrise, il entend la langue des hommes. Si vous parlez la langue des anges, c'est là-bas qu'il est né. Donc voilà, ceux qui ont dit qu'il entend, il comprend, eux, ils ont trouvé. Que Dieu bénisse, félicitations. Perfecto. Maintenant, je veux parler du ministère prophétique, du don de la prophétie, mais on ne peut pas arriver là-bas sans parler du don de langue, de la prophétie, du don de langue, le don de prophétie. On ne peut pas parler du don de prophétie sans parler du parler en langue. Vous voyez, ce n'est pas possible. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il faut comprendre que lorsqu'une personne parle en langue, elle dit des merveilles à Dieu. C'est des merveilles qu'elle est en train de dire à Dieu. Mais elle-même ne comprend pas ce qu'elle dit à la base. Et celui qui est en train d'écouter, celui qui parle en langue, si ce n'est pas la langue de son père ou de sa mère, lui aussi ne comprendra pas. C'est pour cela qu'on peut trouver dans toute une assemblée les frères qui prient en langue, personne ne comprend ce que l'autre dit. Même celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit. Il s'entend, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Or, c'est une dimension abécédaire. Ça veut dire que c'est le béaba. Maintenant, il y a une dimension que Dieu a pourvue qui peut te permettre de parler en langue et de comprendre ce que tu dis ou de comprendre ce qu'une autre personne dit en langue. Et là, il faut maintenant passer parce que la Bible appelle le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. C'est quoi le don d'interprétation des langues? 1 Corinthiens 12, verset 10. La Bible dit ceci. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez. Le don de prophétie est différent du ministère prophétique. C'est là-bas que je veux vous amener ce matin. Le don de prophétie est différent du ministère prophétique. Et le don de prophétie est différent
C'est-à-dire la prophétie n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Laissez-moi aller un peu doucement, je vais revenir doucement. Donc, le don de prophétie est différent du don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues, c'est quoi? Lorsque vous avez le don d'interprétation de langue, ce don vous rend capable de comprendre ce que vous-même vous dites en langue et ce que les autres disent en langue. Pourquoi? Parce que le don de prophétie dont il est question dans 1 Corinthiens 14 n'est pas manifesté en langue usuelle. Le don de prophétie, on ne prophétise pas en français. On ne prophétise pas en anglais. Le don de prophétie ne se révèle pas dans ta langue maternelle. Non, il se révèle dans les langues de l'esprit, le parler en langue. C'est ça le don de prophétie. Donc, dans une assemblée où il y a quelqu'un qui a le don de prophétie et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues, Dieu peut parler, personne ne se rendra compte que Dieu a parlé. Parce qu'il faut le don d'interprétation des langues. On les appelle, ceux qui ont ce don, on les appelle les interprètes. Les interprètes, Dieu leur donne la capacité d'écouter et de comprendre les paroles en langue des gens, leur propre parole en langue. De celui qui a le don d'interprétation des langues, lorsqu'il prie en langue, il sait ce qu'il dit, c'est un peu comme s'il parle français avec Dieu. Il maîtrise les langues du ciel. Dieu lui donne la capacité spirituelle de comprendre et de parler les langues du ciel, de communiquer avec les familles du ciel. Il a le don d'interprétation des langues. Donc si quelqu'un parle en langue à côté de lui, il peut dire que telle personne disait telle chose lorsqu'il parlait en langue. Parce que lui, Dieu l'amène à comprendre les mystères du parler en langue, vous comprenez? Les mystères de la glossolalie. Maintenant, lorsqu'on parle du don de la prophétie, je ne parle pas du ministère prophétique, je parle du don de la prophétie dans 1 Corinthiens 14. Parce que le ministère prophétique, c'est dans Éphésiens 4. C'est là-bas qu'on va voir le ministère prophétique. Mais le don de prophétie s'exerce en langue. Ça veut dire que quand quelqu'un a le don de prophétie, quand il se lève, il parle, mais personne ne comprend. Il parle en langue. Maintenant, il faut quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues pour se lever dans l'assemblée et dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et il traduit maintenant ce que le frère ou la sœur a dit en langue. Maintenant, celui qui prophétise en langue, s'il a le don d'interprétation des langues, il peut parler en langue et lui-même traduire sa prophétie en langue usuelle. Il peut dire « Ainsi parle l'Éternel ». Si c'est dans une église francophone, ou « Here is the word of the Lord », si c'est dans une église anglophone, ou maintenant, oui, si c'est dans une église foulbé. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est ça le don de prophétie. Or, le don de prophétie ne fait pas de vous un prophète. Non. Le don de prophétie ne fait pas de vous un prophète. Mais le don de prophétie est une partie intégrante du ministère prophétique. Maintenant, comment est-ce que le don de prophétie marche? Il marche avec ce qu'on appelle la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Maintenant, lorsqu'on parle du don de la parole de connaissance, c'est quoi? Dans 2 Corinthiens 8, verset 7, il dit « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole. » Non, c'est pas là. 1 Corinthiens 12, verset 8. « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. » Maintenant, le don de parole de connaissance, nous le confondons souvent à la prophétie, à la parole de la prophétie. Et je vais essayer de vous montrer un peu la nuance entre les deux dons. Le don de parole de connaissance, c'est la capacité de décrire des événements que vous n'avez pas vécu. C'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Dieu te donne d'avoir connaissance des événements auxquels tu n'as jamais assisté. Laissez-moi vous montrer un exemple très patent, palpable du don, de l'exercice du don de la parole de connaissance. Moïse, le prophète Moïse. Lorsque vous regardez le prophète Moïse, vous lisez par exemple le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais celui qui a écrit ça, il n'existait pas. Parce qu'à l'époque, l'être humain n'existait pas encore. Et dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'était pas là. Et Dieu dit que le ciel soit là, que la lumière soit là, la lumière fut.
Je suis le premier jour. Et il décrit les créations, la création, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ici, c'est qui a été créé. Le quatrième jour, ici, il n'était pas là. Personne n'était là. Aucun homme n'était témoin. L'homme lui-même a été créé le sixième jour. C'est-à-dire, il est la dernière création de Dieu dans le jardin. Donc, aucun homme n'a vu cela. Mais Moïse vous raconte la création comme s'il était là. Il donne les détails. Pourquoi ? À cause de l'exercice du don de la parole de connaissance, Dieu lui a révélé ce qui s'était passé de manière minutieuse, avec tous les détails qui allaient avec cela. Vous voyez ? Donc, ça fait que, par cela, nous connaissons comment le monde a été créé, quoique n'étant pas là, grâce au don de la parole de connaissance. C'est donc ce don de la parole de connaissance qui fait en sorte qu'un prophète, tout prophète exerce le don de la parole de connaissance. Les prophètes Arohé, les prophètes Haosé, sauf les prophètes Nébi. Vous voyez. Mais les prophètes Haosé et les prophètes Arohé, eux, ils exercent dans le don de la parole de connaissance. Lorsque quelqu'un te dit, on appelle ça la prophétie, mais en réalité c'est la parole de connaissance. Que ta mère s'appelait comme ça, ton père s'appelait comme ça, telle année tu étais avec telle personne, tu te mariais à telle personne, il s'appelait comme ça, tu avais tel nombre d'enfants, il s'appelait comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas la prophétie. Ça fait partie de la prophétie, mais ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie englobe les paroles de connaissance, mais les paroles de connaissance ne font pas la prophétie à elles seules. Les paroles de connaissance sont une composante de la prophétie, mais la prophétie est un tout. Ça veut dire la prophétie est un mélange de plusieurs ingrédients, vous voyez. Donc la parole de connaissance n'est pas la prophétie, mais fait partie de la prophétie. Vous voyez. Donc, lorsqu'on prophétise, nous parlons, si quelqu'un te dit, tu as fait telle chose, telle chose, en telle année, telle année, telle année, il t'apporte des révélations. C'est des paroles de connaissance. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que la personne soit témoin des événements passés de ta vie. Dieu ramène la personne là-bas. La personne peut retourner dans ton passé lointain par l'Esprit de Christ. Et genomen un pneumatien te kuria ke emera. Je suis transporté par l'Esprit jusqu'au jour du Seigneur. Voyez. Donc, c'est ça. Les gens me demandent souvent comment ça se fait, comment ça se passe. Pour que tu... La parole de connaissance, ça veut dire quoi? Il y a 10 ans, tu es allé faire quelque chose quelque part. Personne n'était là avec toi. L'Esprit de Dieu prend le prophète et il l'emmène. Voyez, il l'emmène il y a 10 ans et il lui montre. La personne est témoin. Elle voit comment les événements se sont passés. Elle te décrit dans ta vie les choses qui sont passées depuis 10 ans et que personne ne connaissait. C'est le don de la parole de connaissance. Qui ne fait pas de vous un prophète? Non. Avoir le don de la parole de connaissance ne fait pas de vous un prophète. Mais il n'y a pas de prophète sans parole de connaissance. Du moins, les prophètes de la lignée généalogique des Arohé et des Haosé. La parole de connaissance fait partie du ministère prophétique. Mais la parole de connaissance ne fait pas de vous un prophète. Voilà pourquoi ceux que nous appelons les prophètes d'assemblée sont ceux qui ont le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie, s'il n'a pas le don d'interprétation, il ne sera pas utile pour son église. Parce qu'il va prophétiser en langue et ça ne servira à rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement prier pour le don de prophétie, mais il faut aussi prier pour le don d'interprétation des langues. Je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, dans les années 95, lorsque j'étais en classe, dès qu'il était déjà 15h, parce qu'à l'époque, là, on faisait la mi-temps. C'est la mi-temps, ça veut dire que, et c'est ça qu'on appelle la mi-temps. Ça veut dire qu'on faisait le matin, on rentre et on va encore le soir. À cette époque, donc, quelque chose s'est passé. C'est que je priais tellement en langue. Ça ne sait pas que je prie, moi, aujourd'hui, c'est plus grave encore qu'à l'époque, mais par rapport à mon âge, j'avais environ 1 an dans la foi, vous voyez. Dans les années 95, environ, fin 95, environ 1 an. Donc, quand le professeur parlait en classe à une certaine heure, il était là 15h, ma tête n'était plus avec lui. Tout mon cœur était à l'église, je voulais aller parler en langue. Je voulais aller juste prier en langue. Et quand je retournais, je partais à l'église d'abord. Je posais mon sac d'école à côté. Je priais 3 heures de temps en langue. 3 heures de temps en langue, chaque jour. 3 heures de temps, juste en langue. Je priais en langue. Et donc, le fait de prier beaucoup, le fait de beaucoup passer le temps dans la prière, a fait que les dons de l'esprit ont commencé à se manifester. Un jour, pendant que je priais, j'ai commencé à m'entendre et à me comprendre. Et j'entendais, je comprenais ce que je disais en langue. Donc j'étais capable désormais d'entendre ce que je dis en langue, en 95. Et lorsque quelqu'un parlait en langue à l'église,
J'étais capable de dire que tu disais telle chose, tu disais telle chose. J'avais 16 ans à l'époque. 16 ans. Mais le don d'interprétation de langue, le don de prophétie était déjà dans ma vie. Et je me souviens que la première fois où je prophétise, c'était à l'église. J'avais tellement peur. J'étais à la vraie église de Dieu, Papa Nelson Tukea, en Gaoundal. Donc, la première fois où je prophétise, je dirige la prière, je suis avec un frère, Marius, qui aime Marius. On est en train de prier, c'est mon compagnon de prière. Et c'est un moment, j'ai entendu fort à moi, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et j'ai commencé à étouffer, étouffer. Et finalement, j'ai étouffé, j'ai arrêté la prière. Le frère me demande pourquoi tu n'as pas continué de prier. Et je lui ai répondu que parce que je sentais une force en moi qui me disait, ainsi parle l'Éternel. Et moi, j'ai peur. Et il m'a dit, non, il fallait prophétiser. Le même soir, pendant qu'on était à l'église, en pleine assemblée, je me suis seulement retrouvé en train de clôturer la prophétie. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Et je me souviens, comme à l'époque, j'étais beaucoup combattu par mes pères. Beaucoup combattu. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Un ex-musulman qui devient chrétien, voyez, il y a un zèle fou. Donc on avait un zèle, j'avais un zèle qui était une menace. Au lieu que mes pères spirituels à l'époque me canalisent, ils trouvaient plutôt en moi un danger. Non, ils trouvaient en moi un danger. Je vous dis la vérité. Hein. Mon zèle était tellement brutal, à l'église. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était le mois du jeûne à la vraie église. Les gens m'ont dit non, ne jeûne pas. J'ai dit non, j'ai jeûné encore plus que ceux qui étaient là depuis longtemps. Donc mon zèle était, je m'ai tout fait, l'homme a tout fait. L'enfant a tout fait, je prie 3 heures de temps en langue. Après je balais tout le camp, je prépare la nourriture pour tout le monde à la maison. Donc je vais puiser l'eau, je remplis les fûts d'eau, je parle en langue, je le fais tout en chantant. Et un jour, j'étais avec mon pasteur, mon père spirituel, on était à l'église. Mais depuis là, je suis zélé à l'église. Je prie, je prophétise et des prophéties tangibles à l'époque. J'étais un signe dans mon assemblée. Mais je me rends compte que mon papa ne veut pas me reconnaître. Ah, il dit, mais le papa, qu'est-ce qui lui arrive? Un instant, s'il vous plaît. Donc, j'étais avec mon papa. Donc, mon papa spirituel, il s'asseyait devant. Moi, je m'asseyais dans la foule. Mais je prophétise comme lui. Je guéris les malades comme lui. Moi, j'étais jeune, tout jeune. Un zèle qui était devenu un danger pour mes pères. Ah, mais dans mon cœur, je me dis que mais, le père, si, oh, il doit m'inviter. Je dois m'asseoir où les hommes de Dieu s'asseyent. Hein? Je dois m'asseoir parmi les serviteurs. Hein? Parce que j'ai fait comme le fils voit faire au père, c'est comme ça qu'il faut aussi. Donc j'attendais qu'il m'appelle pour me dire, Ferdinand, vraiment, je reconnais mon fils, que tu travailles dur, maintenant tu es parmi les serviteurs. Puisque je faisais tout, je prêchais à l'église. Les dimanches, je tenais les cultes. Il m'envoyait faire des séminaires et tout. Donc j'attendais qu'il m'invite aussi m'asseoir à côté de lui, devant là-bas. Mais il tardait. D'un dimanche, je suis arrivé à l'église. J'ai dit que bon, comme lui, t'as demain, j'ai pris ma Bible, le chalet, j'ai dit, papa, recule, pousse-toi, on s'assoit ici ensemble, devant les gens. Il n'a rien dit, pouvait-il quoi devant les gens? Il n'a rien dit. Il a reculé, je me suis assis. Et on a fait le culte. Et quand le culte est fini, il a dit, que, ok, les anciens attendaient, le frère Ferdinand et Kane attend aussi. Et après ça, on m'a excommunié. Il a dit que. Que comment tu peux venir t'asseoir à côté de moi sans ma permission et tu m'embarras devant tout le monde, tu vas t'asseoir derrière banc. Il m'a excommunié, je suis allé me retrouver au dernier banc. Donc, c'est pour dire que cette passion pour Christ est perdue aujourd'hui. Quand je regarde autour de moi, je vous dis la vérité, j'ai mal. Parce que les gens n'ont plus la passion. Quelqu'un à l'église, il ne peut pas aller se coucher par terre pour demander que Dieu le remplisse dans le Saint-Esprit. Que Dieu le bâtisse dans le Saint-Esprit. Les gens s'en foutent. Et c'est aussi pour cela que l'église grandit, c'est-à-dire numériquement, mais spirituellement, elle devient de plus en plus immature. Donc, le don d'interprétation de langue m'a été donné à cette époque de ma vie. Et ça fait que c'est le Saint-Esprit qui m'apprend à prier en langue, c'est-à-dire en français, parce que je ne sais pas bien prier en français. Ça fait donc que qu'est-ce qui se passait? Écoute bien.
je rentrais de classe, je me mettais à genoux, je prie en langue, je parle en langue et je répète en français. Par exemple, je peux dire en langue Seigneur et je répète en français Seigneur. Bon, je parle en foufoulet, c'est pas le parler, mon parler en langue. Donc, je pouvais dire Allah, ça je parle en langue et je réponds en français mon Dieu. Mais il dit, Badjour, je t'aime beaucoup. Ya Allah, wallam, oh mon Dieu, aide-moi, soutiens-moi. Voyez, c'est pour ça que je priais. Le Saint-Esprit m'a appris à prier en français comme ça. C'est-à-dire qu'il disait en langue et il me disait de répéter en français. J'étais seul, à genoux. Et donc, ça fait que mes deux genoux ont noirci. L'exagération de la prière. Je me mets à genoux à 19h. Je prie jusqu'à 6h du matin sans dormir. Sans fermer l'œil. Sans avoir le moindre sommeil dans mes yeux. Donc, je disais à quelqu'un que nous avons cherché Dieu quand on était jeune. Au point où on a même exagéré. J'ai jeûné. C'est-à-dire que dès que tu me dis que tu as mal à la tête, j'engage 22 jours de jeûne et de prière pour toi. J'ai jeûné au point de cracher le sang. Je vais comme ça, c'est le sang qui sort. Excès de jeûne. Jeûne au point où j'ai failli mourir. Excès de jeûne, vous voyez. Donc, maintenant, quand quelqu'un a le don d'interprétation des langues, l'avantage c'est quoi? Quelqu'un peut avoir le don d'interprétation des langues. Lui, dans l'église, il est un interprète. Il n'a pas le don de prophétie. Il n'a pas le don de prophétie. Lui, il peut vous aider à comprendre ce qu'un frère ou une sœur est en train de dire en langue. Le message que Dieu, l'Esprit de Dieu, donne à une assemblée en langue. Il peut se lever et dire, ainsi parle l'Éternel. Et il interprète le message en français pour que tout le monde soit édifié. Donc, s'il n'y a pas le don d'interprétation de langue, celui qui prophétie, qui a le don de prophétie, lui, ne sera pas utile. Pourquoi? Parce qu'il dira des choses que personne ne pourra comprendre ni expliquer. Donc, voilà pour ce qui est de ce mystère. Maintenant, lorsqu'on parle du ministère prophétique, tout prophète, ça veut dire que tout prophète à Roé ou à Osé a le don de prophétie. Un, de deux, le don d'interprétation des langues, c'est capital. Ça veut dire quoi? Si j'arrive dans une assemblée, je peux prophétiser comme un prophète d'assemblée. C'est-à-dire que je peux parler en langue et je dis, ainsi parle l'Éternel. Tout prophète à Roé, tout prophète à Osé a en lui le dépôt du don de la prophétie et du don d'interprétation des langues. C'est deux choses fondamentales dans la vie d'un prophète. Haroé et Haose, pas le Nébi. Donc, maintenant, quand il y a ça, il y a ce qu'on appelle le ministère prophétique qui est différent du don de la prophétie. Le ministère prophétique, c'est quoi? Lorsque vous regardez, par exemple, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre d'Éphésiens, on va dans Éphésiens chapitre 4. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 6. Et il a donné, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Or, que signifie verset 9? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit étant monté. Donc, maintenant, vous voyez qu'ici, la Bible parle des cinq ministères. Donc Jésus-Christ, en partant, a laissé à son église cinq ministères pour diriger sa maison. Et ces cinq ministères, c'est quoi? On a d'abord les apôtres dans l'église. Les apôtres, premièrement. Les apôtres. On a d'abord les apôtres. Et secondement, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, verset 28, voici ce que la Bible dit. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Maintenant, je vais revenir sur la glossolalie après. C'est-à-dire le parler en langue. Ici, l'apôtre Paul montre que dans l'église, il y a trois autorités. C'est-à-dire que les trois autorités spirituelles les plus haut gradées. On a d'abord les apôtres, on a deuxièmement les prophètes
Et troisièmement, les docteurs. Il y a les enseignants de la parole, les prédicateurs. Ceux qui ont le don d'enseigner. Parce que le don d'enseigner, c'est un don. C'est-à-dire que c'est une capacité où Dieu t'invite dans ce que la Bible appelle les areta remata, les remas interdits aux hommes. Dieu te fait participer à des révélations qui sont interdites aux hommes. C'est un don. Ce n'est pas le diplôme ou bien les dons ou des diplômes théologiques ou bien séculiers, etc. Non, là c'est un don qui vient de Dieu. Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre le mystère. Et tu parles du mystère du royaume de Christ. On dit que tu es un docteur de la parole. Donc les docteurs de la parole sont la troisième autorité dans l'église. Mais l'église de Jésus-Christ a deux fondations seulement. Deux fondations. Il dit que l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire quoi? Que la force de l'église est basée sur le ministère apostolique et sur le ministère prophétique. Voilà les deux ministères. C'est pour cela que dans une église où on ne croit pas aux apôtres, en réalité, on est en train de s'attaquer au fondement même de l'église, à une des fondations de l'église laissée par Jésus. Et dans une église où on s'attaque aux prophètes, on est en train de s'attaquer en réalité à la fondation de l'église. C'est toute l'église qui va s'écrouler. C'est-à-dire qu'une église sans apôtres et sans prophètes est inexistante. L'église ne peut pas exister sans les apôtres et les prophètes. Donc il faut comprendre que combattre les prophètes ou combattre les apôtres, non. C'est combattre, c'est chercher à détruire le fondement que Jésus-Christ a laissé. La Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc voilà les deux fondements sur lesquels l'Église est basée. Le ministère apostolique et le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que ces deux ministères sont redoutables. Ils sont redoutables. Redoutables dans quelle mesure? Laissez-moi vous montrer pourquoi ces ministères sont redoutables. Oh, c'est dans 50. Puis on va continuer demain. Un vrai apôtre, c'est quoi? Apostolos. Apostolos veut dire en grec un envoyé. Vous voyez? Tandis que prophétesse, vous aussi dire un envoyé. Même messager, dans le sens de messager. Prophétesse et agelos donnent la même chose. C'est des allonymes, c'est-à-dire des mots de la même famille. Donc, un prophète, c'est un messager. Un apôtre, c'est un envoyé. Un émissaire. Donc, l'apôtre, c'est qui? L'apôtre, c'est un pionnier. C'est une personne en qui Dieu a mis les quatre autres ministères. C'est-à-dire qu'un vrai apôtre, un apôtre accompli, est appelé apôtre parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est docteur, parce qu'il est prophète. C'est ça qui fait de lui apôtre. C'est ça un vrai apôtre. Quand vous regardez bibliquement et de manière attentive, vous vous rendrez compte que tous les apôtres étaient envoyés comme des pionniers dans des champs vides. Ils étaient envoyés dans des champs vides, dans des terrains vierges. C'est ça un vrai apôtre. Quand il arrive où il n'y a pas l'évangile, il joue le rôle de l'évangéliste. Il prêche aux païens. Parce que l'évangéliste est le ministre de Dieu pour les païens. Il prêche aux païens. Il les amène au Seigneur. C'est un pécheur d'homme. Et lorsque ceux-ci ont cru, maintenant il est conduit au Seigneur sur les sentiers de la vie chrétienne. Là, maintenant, il est un pasteur. Il est pohimen. Hein, en grec, pohimen. Il est un pasteur, c'est-à-dire un berger. L'apôtre, là, il joue maintenant le rôle de pasteur. Il encadre les brebis, là, il les lave. Il soigne celles qui sont malades. Il nourrit celles qui ont faim. C'est ça le ministère pastoral. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit Ego imihe o pohimen, o kalon. Moi, je suis le bon berger. Donc, il est un pohimen pour ses berges, pour ses probata. Takurio, c'est-à-dire pour ses brebis du Seigneur Jésus. Takurio, Jésus Christ. Pour ces brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est un berger. Maintenant, il faut les nourrir, il faut leur donner la nourriture. Il devient un docteur de la parole, car didascao, didascaleo, c'est-à-dire qu'il a la doctrine, il a le mystère de la doctrine chrétienne. Il leur enseigne la parole, ça c'est l'apôtre. Hein? Et puis, à la fin, il les forme, il est prophète, il les conduit. Il leur dit, attention, arrêtez-vous ici. Avancez. Voici ce que Dieu dit. Non, n'allez pas à gauche. Allons plutôt à droite. Il joue ce rôle. À la fin, quand il les a formés, il forme une église mature. Il suscite maintenant dans cette église les cinq ministères. Dedans, il forme. C'est-à-dire qu'il fait grandir des apôtres. Il fait naître des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, etc.
qui vont auto-gérer cette église et il la laisse au pasteur et il va ailleurs pour une autre mission, pour bâtir encore la maison de Dieu. C'est ça un vrai apôtre. Un apôtre qui ne conquiert pas des terrains vierges n'est pas un vrai apôtre. Ou alors, c'est un apôtre paresseux. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je n'ai pas de problème avec les apôtres. Je n'ai pas de problème, mais c'est pourtant la simple vérité. Un apôtre qui reste sur place pour gérer une église n'est pas un apôtre, bibliquement parlant, au sens biblique du terme. Les apôtres ne restent pas sur place. Comme les prophètes aussi ne restent pas sur place. Non, les prophètes sont appelés, c'est des itinérants. Il y a les apôtres, il y a les prophètes et il y a les évangélistes. C'est trois ministères itinérants. Les itinérants. Ces trois ministères-là, on ne les conduit pas, on ne les guide pas. C'est l'Esprit de Christ qui les guide. C'est Dieu qui les guide, vous voyez. Donc maintenant, le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est celui à qui Dieu a donné la parole. Normalement, le prophète ne peut pas tenir une église. Un prophète n'a pas une église locale où il est pasteur. Non. Les prophètes purs n'ont pas d'église locale où ils sont pasteurs. Parce que le prophète n'est pas un pasteur, il n'est pas un enseignant. Le prophète n'enseigne pas la parole de Dieu. Le prophète dit ce que Dieu a dit. Son travail, c'est ainsi parle l'Éternel. Mais cependant, il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce de porter plusieurs ministères. Donc là, quand vous voyez quelqu'un qui est prophète, et en même temps, dans une même assemblée, ça veut dire que cet homme-là porte aussi beaucoup d'autres manteaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les cinq ministères en eux. C'est donc dans ce sens-là qu'on peut voir un prophète qui tient une église. Parce qu'en même temps, il a le manteau de prophète, il a le manteau pastoral, il a le manteau doctoral, c'est un docteur de la parole. Si un prophète n'a pas le ministère d'enseignement, le ministère doctoral, il ne peut pas enseigner. Or, un pasteur dirige l'église, ça veut dire que le pasteur est l'administrateur du patrimoine de Dieu. C'est-à-dire que lui, il organise la vie des brebis, il les amène à vivre ensemble. Et il se rassure que la maison de Dieu soit dans l'ordre. Mais un pasteur doit aussi avoir le don d'enseigner, doit aussi avoir le ministère doctoral. Parce qu'un pasteur peut être un bon pasteur. Mais s'il n'a pas le don d'enseigner, quand il parlera, c'est où les gens verront ses faiblesses, ses limites. Il sera toujours, les gens vont dormir. En fait, c'est où vous voyez que parfois tu vas à l'église, c'est lourd. Tu vas à l'église, tu ne comprends rien. Tu sors, tu n'as rien retenu à rien. Parce qu'enseigner, c'est un ministère, c'est une vocation. Dieu t'appelle, il t'invite à ça et il t'équipe. Donc quand il n'y a pas cet équipement-là, tu ne le feras pas par toi-même. Si tu le fais par toi-même, tu ne t'en sortiras pas. Donc, parfois, tu peux arriver dans une église ou bien aller à un culte. On presse, tu comprends, c'est le sommeil qui t'attaque. C'est-à-dire que tu es fini, tu es fatigué. Toute la salle, c'est la mort. Comme si le prédicateur répandait la mort. Ce problème-là, ça veut dire que quelqu'un peut être un très bon pasteur. Ça, sur le plan comportemental, c'est un homme très gentil, fait bon vivre avec lui. Vraiment, quand vous vivez avec lui, vous ne vous ennuyez pas. Il dégage l'amour de Christ et le caractère de Dieu. Mais cependant, quand il faut prêcher, vraiment, le type, le sommeil vous emporte tous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le don d'enseigner. Il faut qu'il prie que Dieu lui donne le ministère doctoral pour qu'il puisse être un pasteur docteur. Et c'est là que son ministère pastoral sera efficient et efficace. Donc, bien aimé, à cause du temps, j'aurais souhaité répondre à vos questions. J'ai encore mis notre téléphone. Donc, à cause du temps, on a... Normalement, je devrais répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je me suis levé ici? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux poser ta question et je vais répondre. Rapidement, prends une ou deux questions. Un instant, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, commencez à déposer vos questions. Je vais essayer de répondre. Peut-être deux questions rapidement. Attendez un instant. Je vais balancer le téléphone là-haut. Ok, voilà, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Seigneur, we bless you. Donc, je vois sur WhatsApp, est-ce que j'ai des questions sur WhatsApp? J'aimerais juste me rassurer que c'est bien avec vous. Je parle souvent avec ce numéro, prophète Ferdinand,
Ikani. Mes amis, mon nom, ce n'est pas prophète Ferdinand Ikani. C'est Kane. Voici mon WhatsApp, s'il vous plaît. C'est le seul WhatsApp que j'ai. Donc moi, je suis fatigué à chaque fois. Quand vous donne, je vous donne mon WhatsApp, ne me posez plus de questions. Ne me posez pas de questions sur autre chose, s'il vous plaît. Voici le seul WhatsApp que j'ai. Je vous ai donné mes deux WhatsApp et c'est suffisant. Tout le reste, là, ce n'est pas moi. Prophète Ferdinand Ikani. Moi, ce n'est pas Ikani. Ce n'est pas moi là-bas. Que Dieu vous bénisse au nom souverain Jésus. Voilà. Bon, je crois qu'on n'a pas de questions. On n'a pas de questions ici. Parce que les gens, c'est plutôt que j'ai des problèmes. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Ok, ici, c'est bonjour, là, je vous suis depuis Bertois. Pendant la grossesse, j'ai été. Depuis c'est positif à l'hépatite B, je voudrais. Bon, ça, c'est le sujet de prière. Bon, les gens n'ont pas de questions, hein. C'est plus un sujet de prière. Seigneur, je prie pour tout ce sujet de prière. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu connais les problèmes de ton peuple. Je prie que tu les guérisses et que tu manifestes ta grâce et ta gloire au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoutez, tous les habitants de Douala, rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h. Il y a mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent donner une semence spéciale pour l'œuvre que nous faisons. Tu veux soutenir, tu veux s'aimer dans cette terre fertile. S'il te plaît, tu as le numéro par lequel tu peux envoyer ta semence juste après cette émission. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Les habitants de Douala, rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h en Dogbon, derrière l'immeuble Kamley. Nous avons là les deux numéros WhatsApp. Vous les avez. Vous avez les deux numéros WhatsApp. Donc, vous avez le numéro MTN et vous avez le numéro Orange qui sont affichés. Cherchez-les en commentaire. Vous les aurez. Donc, voilà. On a demandé c'est quoi un évangéliste. Je pense que j'ai parlé de ça. L'évangéliste, c'est le ministre de Dieu pour les païens. Lui, il n'est pas dans l'église. Un évangéliste n'est pas fait pour rester dans votre église. Donc, si l'évangéliste reste avec vous dans l'église, il discute le pupitre avec le pasteur. C'est un faux évangéliste. Les évangélistes vont prêcher dehors aux païens. Donc, demain, on reviendra sur les questions et je vais répondre à vos questions. Seigneur, merci pour ta grâce en cette nouvelle journée. Bénis cette journée. Seigneur, préserve-nous dans tout ce que nous aurons à faire au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Les habitants de Douala, la main de Dieu sur vous avec autorité. Cette soirée ne manque pas, s'il te plaît. Ne reste pas chez toi. Ne reste pas à la maison. Retrouve-moi derrière l'immeuble Kamley à Ndogbo à partir de 16h tout à l'heure. Sois témoin de ce que Dieu fera pour toi. Une grande délivrance t'attend. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.